Hey, salut James, j'espère que vous allez bien, comment ça va super bien. Et aujourd'hui, vous avez deviné au titre et à la miniature de la vidéo, on fait un petit peu un récap sur la Christmas Party Yu-Gi-Oh! Qui s'est déroulée ce week-end. C'est d'ailleurs pour ça que je tourne et je sors une vidéo surtout le mercredi à la place du mardi, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant, car ce week-end m'a pris beaucoup de temps, mais c'était beaucoup trop cool. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que dans ma dernière vidéo, le pack cadeau Noël du coin des barons est à gagner. C'est un pack qui vaut 49 euros. On a pratiquement atteint le deuxième palier des 400 likes, et donc je vais rajouter une Funko Pop, et je l'ai annoncé dans les commentaires, parce que quelqu'un m'a chauffé. Si on passe les 600 likes, je vous offre mon pull de Noël, et je rajouterai même un peu petit cadeau exclusif qui n'est même pas disponible à la vente aujourd'hui. Cette vidéo va être assez simple, je vais tout simplement remettre les passages où je suis passé dans la Christmas Party pour revisionner ça avec vous, faire un petit peu du commentary parce que vous avez vu la partie live, moi j'ai vécu la partie live également, mais sur place, et vous faire un petit peu un commentaire et puis revivre un petit peu tout ça. La partie avec Laurent Sao est beaucoup trop ouf, d'ailleurs je le remercie tout de suite, merci à Konami, merci à toutes les personnes qui étaient présentes, merci à Laurent Sao qui a fait une voix, encore une voix exceptionnelle. C'était vraiment, alors je dis une voix, mais en fait finalement c'est sa voix, c'est vraiment trop fou, qui a même invité la voix de Kaiba à venir pour la prochaine fois. Enfin moi j'ai beaucoup trop hâte, encore une fois merci pour tout ça. Et nous on passe sur la deuxième caméra, on va essayer de mater un petit peu ce live et voir ce qu'il en est, faire un petit peu un récap de tout ça. Ok, donc la première partie c'était dessine-moi une carte avec l'Otac, et pour le coup c'est une des animations que j'ai préférées de la journée. Hop, on va avancer un tout petit peu. Je commence à dessiner, je suis avec Pikami et on est contre Doc et Doc. Voilà, j'étais en train de bugger sur les docs, mais Doc et Doc. Et je commence à dessiner. Et la carte que je vois, c'est une carte très complexe à dessiner. C'est Veilleur, si je me trompe pas. Et franchement, à dessiner, c'est pas dur, je Et 15 trouve. secondes, c'est fini. Mais Allez, regardez un petit tu peu as ce qui se maintenant une passe. minute. Franchement, alors moi vraiment, je trouve trop Ah stylé. bah pour l'instant ça fait des hashtags nul Nul RDM. Hein. Nul RDM. Hashtag nul RDM en avant-première du coup. Mais non. Ah, ça trash talk dans les commentaires. Hein. C'est incroyable ce qui se passe. Je suis deg parce que je vois pas le live. Donc j'aurais bien aimé voir le live, mais là je ne le vois pas, je suis deg. Moi, je sais la carte que c'était et ça me fait vrai. J'ai fait le cadre. J'ai fait Il y a le quand même cadre de un la petit peu de carte. GGRDM qui arrive dans le Ah, il y a chat. du GGRDM, j'entends ça dans le call. Ils ont vu la qualité. Franchement, moi je trouve ça ressemble à Jäger, hein. Franchement. Allez, il te reste 15 secondes. Allez, allez. Ah, c'est assez balèze entre les GG et les nuls. 10, 9, Ah oui, je dessine une negate. 6, Je dessine une 4, annulation 3, pour Veilleur, quoi. 1, réponse. Et il y a quelqu'un qui a trouvé dans le chat quand même. Orangeade Mécanique a trouvé. Tu l'as montré, mais tu l'as gardé. Ah, mais oui, je suis con. Il est vraiment trop fort. Merci, merci. La carte en question était illusionniste des faits. Mais oui. Franchement, moi j'ai un retour là sur le chat, ouais. Ouais, enfin. Moi personnellement, là je mettrais vraiment le hashtag nul RDM, mais je ne ferai pas mieux. Je ne ferai pas mieux. J'ai un point sur les deux points, applaudissons tous. Allez, on les applaudit s'il vous plaît, et on va passer au deuxième binôme. L'équipe suivante. Nous allons cette fois-ci voir un dessinateur. Voilà. Regardez, c'est Allez, Pikami qui dessine du coup. on va inverser et je vais faire le même principe. Je vais aller chercher la carte. Je vais vous la montrer dans le chat. Donc je reviens tout de suite. Tu veux pas en genre une sur deux la montrer et pas toutes? Mais non, le chat. Ouais, c'est mieux que ça puisse dominer. Ah. Finalement, ça a été décidé qu'on n'en montrerait qu'une sur deux pour augmenter le suspense. Ok, je ne montre pas la carte. On va avoir du ministère de 15 secondes. Ah, ils sont d'accord apparemment pour pas ouais. montrer. Allez, tu as. Attention, tu as 15 secondes pour regarder la carte. Pikami. 3, 2, 1, c'est parti, c'est parti. Alors même nous, on ne sait pas quelle est cette carte. Du coup, même nous, on sait pas, et on va devoir Ça va être déduire. marrant. En vrai, c'est super dur de ne pas regarder. C'est vraiment super dur. 4, Attends, on dirait grave que j'essaye de 3, regarder alors que pas du 2, tout. 1, retourne la carte. C'est parti. Alors attention, à partir de maintenant, tu as une minute. Allez, à partir de maintenant, tu as une minute pour trouver cette carte. Dans le carte. chat, vous n'avez pas vu la carte, n'hésitez pas à essayer de la deviner en
même temps qu'on se regarde et évidemment à bombarder. Est-ce qu'elle a le droit de répondre à mes questions? Elle peut pas parler, c'est vrai. La seule interaction, c'est entre son dessin et son stylo. Merci, Samy. T'as quand tu commences et que t'as ça, qu'est-ce que tu veux deviner? Arsène et Bichente, là, on est en commentary. Si tu peux vite fait swap sur la carte. Voilà, regardez. En plus, il a le t-shirt de team et tout. Franchement, on est vraiment super bien. On repasse de suite sur le dessin. On représente la complémentarité. Vas-y, balance. Un inhibiteur? Oui. C'est pas encore la top. Et en vrai, j'ai grave trouvé avec la ceinture. Attendez, quand même, ce dessin, je n'aurais jamais trouvé. La ceinture, ça a tout fait. Un détective. Alors, il est pas très bon à dessin. Oh, les bâtards. En vrai, c'est vrai que c'était chaud. Mais la ceinture, ça a tout fait. Hein. Wow. Bon, ben voilà, bravo RDM, je propose qu'on l'applaudisse bien fort. Et bien évidemment, Marine, Camille. Ouais, à la grave dessinée, big up à ta Marine. Ok, donc deuxième dessin. Ah, GG RDM, vous êtes là les gars. Les amis, vous avez 15 secondes, mon série band, c'est parti. Maintenant. C'était quoi ce cri? Sans... Un moment merveilleux qu'il faut sauvegarder, enregistrer dans nos cœurs. Ah ouais, c'est incroyable. Est-ce que je peux avoir un stylo rouge, c'est possible ou pas? Tiens. J'avoue, en vrai, j'ai donné une info sans même le faire exprès. Stop, c'est terminé, tu dois dessiner. Et donc là, le dessin que je dois faire, c'est Kagari. C'est chaud, en vrai, dessiner Kagari, c'est chaud. Mais je trouve, je m'en sors pas trop mal. Hein. Alors oui, il y aura une rediffusion sur Twitch, une rediffusion sur YouTube. On vous donnera plus d'informations un peu plus tard. Des avis, le chat, sur la carte que ça représente. Alors, le chat, n'hésitez pas. Sexy Youbek, merci. Aïe. Il y a des détectives. Ah, quelqu'un a trouvé, ça y est. Il y en a genre 5-6. Eh, c'est des hommes là. En vrai, les boss qui ont trouvé, franchement, GG. Hein. Si vous avez trouvé, vraiment, hein. Des GG RDM, vous êtes des créatures. Vous êtes des créatures. Ah, c'est incroyable. Il reste 15 secondes, Picami. En fait, il y a un indice sur le dessin qui est vraiment incroyable. Je pense que sur la toile, il y a un truc génial. Insiste sur certains détails, je pense. C'est chaud de dessiner ça en plus. Hein. Si, tu la connais, c'est ça. Issou. Issou. Je pense qu'au niveau temps, on est bon. Stop. Kagari, de ouf. 5 secondes de réflexion. Ouais. Kagari. Alors là, par contre, Monster Reborn, tu es... Oh, j'ai oublié l'épée. Mais tu es adulé dans le chat, il n'y a pas un seul hashtag nul RDM. Ah ouais, tu as été très GG. Non, en vrai, c'est lui qui fait tout sur notre team. Tu as été très très bon, bravo. Moi, je dis, il mérite des applaudissements. Ouais, on peut l'applaudir. Applaudissons-nous tous bien fort. Ah, Ultime Eternal qui dit quand même nul RDM. On va te faire foutre, mec. Aïe. La concurrence est là. Là, il reste des cartes. Donc, alors là, ça met en place des stratégies, Samir, comment tu vas faire? Est-ce que Monster Reborn va utiliser la carte macho sur Picami ou pas? Potentiellement, j'ai l'impression... La carte macho. Pourquoi j'ai pas eu ces calls-là, moi? J'ai l'impression... On entend très peu, c'est pour ça qu'on comprend. Moi, je sais pas, là, ils sont en train de se concerter pour égaler, je pense. Alors, le chat, on compte encore une fois sur vous. Les talents de Picami doivent être adulés, encore une fois. Tu vois, 15 secondes à partir de maintenant. Maintenant. Si elle réussit, Picami en top 8 France ce soir. Hein. Issou. Regarde surtout pas, c'est incroyable. Bon, encouragez-les bien fort pour qu'ils égalisent l'équipe de double. Parce que là, s'ils ont perdu, c'est terminé. Hein. Le BO3 est fini. Hein. Le BO3 est fini. Ils peuvent le faire. Courage! Et c'est terminé! C'est parti! Tu as une minute à partir de maintenant. En vrai, je suis une merde sur ce truc. Engage! Non! Mais t'as raison de proposer, vas-y, c'est une sèche. Station! J'en marche sur ça? Techniquement, y'a rien qui l'interdit. Alors, ça propose déjà des Nibiru dans le chat. Nibiru, les gars, vous êtes des super héros. Ouais, là, je sais pas où est-ce que vous voyez Nibiru, les gars. C'est un courrier, moi. Oh, y'a déjà quelqu'un qui a trouvé! Quoi? Il y a déjà quelqu'un qui a trouvé. Incroyable. Putain, vous êtes des génies. Wow. Félicitations. T'as une minute, profite-en, vas-y.
Il essaie déjà de faire le gros du dessin. Bah, y a pas grand chose en vrai. Hein. C'est vrai. Il y a des détails, c'est lance interdite. Il reste 20 secondes. En vrai, je pensais tellement que c'était lance interdite ou une carte un peu interdite là, je sais pas comment elle s'appelle toute. Mais. Pfff. 10, 9, 8, 7, 6. Ah ouais, elle me donne des idées. C'est Solemn Strike, mais je suis teubé. Je le savais en France, en anglais en fait. C'est terminé. Bah ouais, je suis nul. Non, bah non, non, je suis nul. Putain. Attendez, non, moi je propose qu'on demande au chat, est-ce qu'on accorde le point à Monster? Non, bah non, je suis sûr que non. Bon, alors, c'est une majorité de non et de nuls. Les bâtards. Désolé, les oui, les non. Alors, il y a au début... Au début, il y a plus de oui. Au après, début, il y a eu des oui, et puis il y a eu une vague de non. Genre, tu t'es fait strike. Je crois que c'est l'occasion de le dire. J'ai pris le solemne en question. En vrai, Samir, il est trop drôle. Ouais. Ils ont déjà deux points. Est-ce que vous voulez quand même voir le deuxième tour de Jackie? Non, mais bien sûr. Alors, là, en fait, si tu veux, ils ont un point. Ok, on va passer à la suite. Deuxième partie, je passe avec Jackie du coup sur les présentations de decks de nourriture. Et pour le coup, je suis un peu dingue parce qu'on ne les a que présentés, on n'a pas pu jouer avec juste après. Mais je suis assez fier de mon deck, je vais le garder craft. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse le deck profile. Ça aurait été trop drôle de pouvoir jouer avec, ça n'a pas été possible. Le timing a été trop juste, mais on passe quand même à la présentation de ce deck. Passons maintenant au plat principal. On part sur une recette de burger, évidemment. Évidemment. Donc pour ça, couteau, fourchette, évidemment. Et ouais, les couteaux, fourchette. On va confier la recette au boucher du bistrot, qui va nous compléter la recette du hamburger, naturellement, accompagné de la préparation des rites. Au niveau de la carte, on va avoir du choix dans les tomates, on va avoir du choix dans le bœuf, pour le steak. Et oui, pour le steak. La possibilité de le brûler au feu de purée. La possibilité d'ajouter un petit peu de bacon et pour accompagner tout ça, un petit peu de maïs doux. Évidemment, prohibition de trouver des rats géants à l'intérieur. Franchement, il n'y a rien à rajouter à ce deck. Je trouve qu'il est vraiment trop drôle. Le concept de Jackie est vraiment trop fun. Pour le coup, voilà, je vais le garder craft. J'espère que je pourrai jouer avec un jour contre Jackie, par exemple. Ça pourrait être trop drôle. Mais voilà, on passe à la dernière partie, celle que je préfère. Ok, donc deuxième partie, c'est tout simplement une partie où je fais des duels de l'animé. Alors là, en l'occurrence, on va juste regarder celui contre l'Otak. Je joue Yugi, j'étais accompagné de Laurent Sao et lui jouait Kaiba. C'est cast par Zulu et par Yubel, c'est parti. Expérience auditive, les gars. Ou alors, j'ai dit ça, mais c'est vraiment que je suis fracassé. Bon, alors, monsieur Sao, Laurent, s'il vous plaît, fermez la porte, un maximum de silence, un maximum de respect pour Laurent pendant le duel animé. On a la chance, je pense que vous n'êtes pas nombreux à l'avoir vu en vrai faire ce qu'il va faire. C'est une expérience qu'on vivra peut-être une fois dans notre vie. Je suis entièrement d'accord. C'est vraiment un kiff, je vous demanderai un minimum de respect avant. La tête de Zulu. Oh là 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 là. La pression là. Bon. J'ai oublié de mettre mon pull de Noël. C'est la première fois que tu vas affronter Yugi Muto en duel. Exactement. Ça va être incroyable. Déjà, la compagnie de Laurent Sao, c'est absolument incroyable. Déjà, encore merci à vous d'être là. Merci. On va se tutoyer tous. Hein, parce que ça, c'est comment ça va. Bon, merci à toi alors. Et ouais, ça va être incroyable de faire ça dans les règles de l'animé. Ça va être bien différent d'habitude déjà, notamment deck méta. Et puis là, dans cette circonstance-là, c'est... Est-ce que je peux juste repréciser, tout simplement, merci beaucoup de me tenir le micro. concernant les règles, tout simplement, elles vont être légèrement différentes puisque ce sont les règles de l'animé. Je savais pas que c'était pas la bonne caméra que je regardais. J'ai l'air d'un mongol. Ça risque d'être assez drôle, ça peut faire des parties vraiment très fun, soit très rapides, soit très longues. Ça risque d'être très fun, j'espère que ça vous plaira, tout simplement. Merci Zulu. Ouais. Mais de rien, est-ce qu'on est parti ? On vous laisse commencer. On fait un Shifumi ? J'allais te dire déjà bravo. Ouais, effectivement. Shifumi. Je prends la main. Aïe aïe aïe, Yugi qui va jouer en deuxième. Bon. Les slips sont super stylés quand même, hein. On est là. Big up à la manga corp d'ailleurs. Et vous me dites si j'oublie ma voix parce que des fois c'est la grande qui revient. Ouf. Ah là là.
Je vous ai dit, ça, c'était un jeu qu'on se faisait avec le l'ingé son. Le mec, il s'achetait un kit de tympan en fin de journée, mais nous, on passait d'une voix à l'autre sur la même boucle sans s'arrêter, juste pour voir si on y arrivait, quoi. À la fin, le mec, il en pouvait plus. Après 5 épisodes de combat, il en pouvait plus. Sacrée performance. Et puis, on autorise Monster Reborn à tricher et à invoquer le magicien des ténèbres. Je pense que vous savez pourquoi. Ah ouais. C'est la top deck spell card, en fait. Écoute, on va commencer doucement, mon cher Yugi. Et je vais invoquer le titan noir de la terreur. Oh. Ah, on voit pas les cartes avec le reflet, je suis deg. Très ancien. Je dois te dire à toi. Ton monstre est effrayant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Oui, eh bien, tu le poses. Ah, carrément, directement. Eh bien, mon ami, il invoque le gardien celte. Je reste avec cette voix. Et il meurt. Et il attaque. Et tu perds combien de life points? 100 points de vie. 100 points de vie. Bah, je serve à quelque chose. Ah, ça me bute. Je savais pas quoi faire. On se fait le bruitage en même temps. Bien. Bon. Voyez doucement. J'invoque Ryukishin le puissant. Eh oui. Tu fais moins bien là. Attaquer ton gardien celte. Oui, effectivement. Je perds combien de life points? 200. Ah, on perd 200 life points. Vraiment Zoulou, c'est le meilleur bruit de life point du monde. Et tu poses une carte face cachée. Voix officielle des points de vie. Je pioche. Je crois que je peux rien activer. Je pense qu'on peut pas faire grand chose pour l'instant. Je vais activer le contrôle cérébral. Mais j'active le contrôle cérébral. Ça marche. Je vais voler ton monstre. J'ai pas payé mon cost. Et j'invoque, alors là, excuse-moi. Et j'invoque le gardien ailé, dragon de la forteresse. Il est là. Franchement, il est là. Je t'ai payé 4, bien sûr. Je t'ai payé 4. Et je prends 3000. 3000. Fou, il me reste plus que 900 points de vie. Exactement. Alors, à toi de jouer. Mais. C'est chaud, hein. Mais je. Tu triches, je m'en fous. Yubel, Shark Rolling. Ah, mais je. Yubel, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Attends. Moi j'ai envie d'avoir une érection ce soir, d'accord? C'est pas vous. Donc, Zoulou, je veux Zoulou, explique-moi. Les ténèbres par monsieur Sao, tout simplement. Ça part en roue libre, ça y est. On, il est 17h38, bientôt on va pouvoir se lâcher. On va profiter, hein, évidemment. Zoulou, t'es d'accord avec moi? J'ai entendu Yubel qui nous demande de tricher. Il ne croit pas en l'âme des cartes. Ouais. J'invoque le dragon blanc aux yeux bleus. C'était le meilleur play, hein. Je vais attaquer avec Ryukishin. Et avec le dragon blanc aux yeux bleus. Il nous reste très peu de life points. Oui, effectivement. Et je vais terminer mon tour, Yugi. Attends, il nous reste très peu de life points. Oh, cette voix, putain. Oui. Il y croit depuis longtemps. Et 20 ans que Yugi y croit en l'âme des cartes. Ce jeu a été constitué par mon grand-père. Ouais. T'es prêt? Vas-y, vas-y. Ouais. Et waouh. Tu sais ce que tu viens de sortir? Je pense qu'il ne te restera plus beaucoup de points après ça. Car j'invoque. J'active. J'active d'abord le trou noir. Ouf, douleur. Aïe 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 aïe. Et j'invoque le magicien des ténèbres. Oh putain, même ici ça me met des frissons alors que je l'ai vécu en vrai il y a pas très longtemps. Oh, c'est fou. Je suis décédé malheureusement. Tu as perdu mais bien joué quand même. Merci beaucoup Laurent. On peut revenir. Waouh. C'est ouf, hein, vraiment Laurent Sao, le rencontrer, parler avec lui et puis pouvoir jouer avec le Magicien des Ténèbres avec Laurent Sao, c'est un truc de fou. Voilà, cette petite vidéo, attendez, je peux enlever mon casque en fait parce que du coup j'ai terminé. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, c'est juste un récap de ce qui s'est passé ce week-end. Si vous voulez le live complet, eh bien je vous mets le lien dans la description du Twitch de Konami, vous pouvez tout récupérer. Évidemment j'ai squeezé parce que je peux pas faire une vidéo de 10 heures, mais il y a énormément beaucoup trop cool. Il y a les duels de la BCP qui sont trop cool, il y a les challenges de la BCP avec Samir qui fait le con en criant Blue Eyes White Dragon tout le temps, c'est beaucoup
beaucoup trop cool. Toutes les animations sont passées et franchement, c'était une super journée. Je me répète, mais merci à Laurent, merci à Konami, merci à toutes les personnes présentes et puis merci à vous, les viewers, qui étaient présents tout au long de ce live. C'était une super vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était une super journée, pardon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, 20 minutes avec du Laurent Sao, moi je tiens plus la route. Prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collection de cartes et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao!